gens, salut à tous et aujourd'hui on se retrouve sur Lorenz et Negeek pour une vidéo assez spéciale. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour déjà vous remercier d'être 75 abonnés sur ma chaîne. Voilà, applaudissez-vous si vous voulez, applaudissez-vous. Alors oui, je sais, 75 abonnés c'est pas énorme, mais moi je suis fier parce que ça fait un mois que la chaîne est ouverte. Et vous êtes déjà 75 à me suivre pour du gaming. Je suis vraiment super content. Et aujourd'hui, c'est la toute première vidéo de ce genre. Je vais répondre à vos questions. Vous avez été nombreux à utiliser le hashtag LorenzRépond sur Twitter. Vous avez également été nombreux à utiliser mon adresse mail pour me poser vos questions. Donc voilà, sur Twitter, vous n'avez pas été énorme. J'ai su récolter 105 tweets au total depuis une semaine. Mais sur email, vous avez été beaucoup à me poser les mêmes questions. Donc on va mettre tout ça au clair sur une dizaine de questions. Question numéro 1. Avec quel logiciel tu fais tes vidéos? Alors d'abord, mon ordinateur, il tourne sur Windows. Alors j'utilise soit Wondershare Filmora, donc tu peux aller voir mon tuto pour le craquer, ou alors j'utilise tout simplement Sony Vega, donc je ferai un tuto pour le craquer aussi, j'utilise le Pro 14. Pourquoi Lorenz? Si tu me suis sur mes vidéos ou que tu es abonné à moi sur la Xbox ou sur d'autres réseaux sociaux, tu sauras très vite que Lorenz, en fait, c'est le diminutif de mon pseudo ou de mon gamertag sur les consoles de jeux vidéo. C'est très simple. Pourquoi Lorenz? Tout simplement, quand j'étais petit, j'avais pas d'imagination. Alors j'ai tout simplement changé le R de mon prénom en W. Tu parles beaucoup de mangas. Lesquels aimes-tu? Et lesquels lis-tu? Est-ce que tu en lis au moins? Alors si j'en lis, je sais pas, tu vois, parce que j'ai peut-être un peu une pile qui est une partie de ma collection. Enfin, je sais pas si j'en lis. Après, je sais pas si j'aime bien les mangas. Et surtout, je sais pas quel manga j'aime bien. En tout cas, je sais pas, voilà. Évidemment, vous aurez dû vous en douter, le manga préféré, celui que j'adore et que je chéris de tous les dieux, c'est bien sûr Dragon Ball, écrit par Akira Toriyama. Que ce soit les Dragon Ball, les Z, les Super, je les aime tous, même les GT s'il faut. Note que ça a été un peu la saga que j'ai moins appréciée. J'aime également Naruto, mais je suis plus sur Dragon Ball, et oui, je lis des mangas. Qui est ton YouTuber préféré? Alors en France, c'est Squeezie, tout simplement. Pourquoi Squeezie? Même si ses blagues, elles sont comédie, blagues de merde, moi je l'adore. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne gaming, et pour moi c'est la meilleure chaîne gaming, que ce soit en France ou aux États-Unis. Tout simplement parce qu'il filme pas simplement son écran, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Cyprien l'avait repris pour ses vidéos sur Cyprien Gaming. Il est super marrant, il est drôle, il est fou, enfin voilà, bref, il est génial et je l'adore. Et sinon, comme youtubeur, c'est Squeezie. Pourquoi tu fais plus tes vidéos sur le coin Nintendo? Pour ceux qui ne le savent pas, car cette personne qui a posé est un ancien abonné. Alors oui, j'avais une chaîne qui s'appelait le coin Nintendo. Alors je ne serai pas vous diriger vers le lien, tout simplement, elle a été supprimée. Alors pourquoi elle a été supprimée? Tout simplement parce que j'avais un ami qui gérait la chaîne avec moi et qui a fait l'abruti en essayant d'acheter des abonnés. Voilà, il a acheté des abonnés, on était quand même à pas mal d'abonnés, on était monté à 150 000 abonnés. Donc voilà, on était énorme sur cette chaîne avait fait feu, c'était rage, j'avais du matériel, j'avais tout. Suite à ça, j'ai pété un plomb, j'ai tout revendu, et aujourd'hui en fait, j'ai pris conscience que je fais une boulette, parce que j'adore faire ça, et voilà, donc je suis de retour sur YouTube en espérant que vous allez tous revenir mes 150 000 abonnés. Tu as quel âge? J'ai 18 ans, je vais bientôt avoir 19 ans, au mois d'octobre, mais c'est pas ça qui va faire que je vais arrêter des vidéos, tout simplement parce que je compte en faire longtemps, tout simplement parce que j'adore ça. Comment as-tu réagi quand tu as perdu ta chaîne? En fait, à peu près, j'ai réagi comme ça. Comment as-tu rencontré Negeek? Petit Lorenz? Oui, maman? Viens, tu vas avoir un petit frère. C'est vrai? Ah, mais je vais arrêter de dessiner tout de suite et je vais faire une chaîne YouTube avec lui plus tard. Ouais! Bon, voilà, hein, tout simplement, Negeek, c'est mon frère. Enfin, je pense l'avoir dit quand même dans pas mal de vidéos que Negeek était mon frère. Alors ça, c'est la question que j'ai eu 10 000 fois sur ma boîte mail. Je pense que, allez, sans mentir, je pense que je l'ai eu 40 fois. On m'a posé la question... Quick ou McDo? Alors voilà, je répondrai pas à cette question, tout simplement parce qu'elle fait concurrence entre les deux. Voilà, Quick et McDo, c'est deux choses qui ont été en concurrence depuis leur création. Donc je répondrai pas à cette question, je ne vous dirai pas lequel je préfère.
Alors te tapes-tu dessus quand tu perds plusieurs fois un jeu? Non, c'est faux. Je ne me tape pas quand je perds un jeu, c'est faux, c'est archi faux. Je vois pas l'intérêt de se taper dessus quand on perd un jeu. C'est vraiment con et stupide. Putain, l'école, c'est fini aujourd'hui. Putain, qu'est-ce que je vais foutre? Oh putain, je sais. Je vais finir Zelda. Un Ganondorf, comme si je savais pas. Bah genre, je vais pas le battre. Bah oui, c'est ça. Les doigts dans le nez. Six and a half hours later. Putain, j'arrive pas à le battre. PS4 ou Xbox One? Bah, tout simplement, je joue sur Xbox One. Je pense que je l'ai quand même fait beaucoup dans mes vidéos. Mais punaise, vous regardez pas ou quoi? Alors, aimes-tu dessiner? Oui, j'aime dessiner, comme tu vois. Enfin, voilà, ça, c'est une de mes réalisations. Donc, j'ai dessiné Naruto dans Naruto Shippuden. Oui, j'adore dessiner et principalement des mangas. Es-tu en couple ou célibataire? Alors, j'aime pas trop répondre à cette question parce que, voilà, c'est trop intime, mais bon, vous tenez à le savoir. Alors oui, j'étais bien en couple avec mon ex pendant un an et demi, il y a encore quelques semaines. Mais voilà, c'est terminé, oui, je sais. Malheureusement, c'est fini, voilà. Et voilà, c'est la vie. Et la toute dernière question, es-tu français ou es-tu belge? Je suis belge, donc je pense que ça s'entend à l'accent. En plus de ça, pour les Français, j'habite dans le nord de la France, donc je suis cousin avec les Ch'tis, ou avec les Picards, donc je suis Borin, et je viens du sud de la Belgique, dans la province du Hainaut. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et j'espère que tu seras nombreux à partager celle-ci. N'hésite pas à t'abonner, et je te dis à la prochaine, et bonne rentrée à toi. Ciao! Pour t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton milieu. Tu vois là, celui qui est là.